Salut tout le monde! Salut, salut, salut! On est de retour! Bonjour! Bonjour à tous! Déjà, un petit problème avec la fourie. Fait normal, il y a le volant qui est branché. Fallait s'en douter de ça. Il fallait s'en douter. Donc, on va pallier à ça. Merde, par contre, je sais pas ce que j'ai débranché. C'était quoi ce bruit aigu là qu'on vient d'entendre d'un coup? Je sais pas. J'ai débranché un truc, mais je sais pas ce que c'est. Il sait tout ce qu'était. Ah bah la souris elle bouge plus. Donc le truc que j'ai débranché, c'est ça qui faisait. Non, je sais pas ce que c'est pas grave. Bon, au moins. Maintenant. Ah bah si, elle rebouge. Ah, elle bouge pas quand je suis debout, mais elle bouge quand je suis. Je vais pas jouer debout quand même. Non mais tu sais c'est les trucs avec le. Ah, achète une manette Xbox, hein, t'auras plus jamais de soucis. Mais non mais c'est pas ça, c'est que ça fait conflit avec un autre. Si c'est pas le volant, c'est le panel, tu sais. Moi manette Xbox c'est même pas la peine, j'aime pas. Ouais ah. Mais tu vas apprendre à aimer, Nico. Non, apprendre à aimer. Mais... Bon. C'est ce que disait Florent Pagny. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? 6000 balles. Alors. Voilà, les quelques premiers petits réglages de fait, ça va aller mieux. Hein? Ou pas? Ça, c'est à voir. C'est à voir. Bon, sinon, comment vont tous ces gens? Depuis, c'est pas mal, hein. Combien de temps? Presque un mois, non? De Farmer Dynasty. Fait 2 semaines. Ah, Farmer Dynasty, oui, peut-être 3 semaines, c'est sûr. Quatre semaines, peut-être. Ouais, parce que j'ai fait un... Comment ça s'appelle? Un coup de farming entre deux. Et un, attendez. Je reviens juste dans une petite minute. T'inquiète, on va meubler en attendant. C'est peut-être dangereux là. Dis-toi, mais j'ai même pas le chat. Bonjour aux gens. C'est des nouveaux depuis tantôt. Peut-être quand même mettre son live sur l'autre écran. Histoire d'avoir le chat. Re tout le monde. Re personne. J'aurais le temps de plus d'en faire un tour. Non, c'est le directeur qui s'est barré. Ah bah ça va. Ça va, c'est 5e donc ça va. Oui. Nous sommes en live, hein, Ludo, comme ça tu le sais. Bonjour tout le monde. Ouais, on a mis les petits au lit donc. Re. Et pardon. Oui, salut François. François. Bonjour à toi. Ouais, c'est un petit coup de fil important qui est passé. Et comment François? Salut François. François le français. Bleu, blanc, rouge. Au français le François. Ça peut marcher aussi. Qu'est-ce que je foutais au milieu des rails, moi? Les enfants sont au lit donc ça va être plus calme. Pourquoi j'étais là, vous vous souvenez, non? Pourquoi j'étais garé là au milieu là? Ah si, alors, je cherchais les coffres. Bah, je ne sais pas. Ouais.
Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de live, donc... Comment? Ça fait 6 mois que tu n'as pas fait de live. Donc... Ouais, ça m'étonnerait. Je ne viens plus, quoi. Ouais, par contre, faut que je regarde où je suis, parce que... On avait déjà appelé Jacques Pradel pour aller rechercher tout, on ne te voyait plus. C'est drôle, ça, Kevin. Où c'est que je suis, là-bas? Nico, non, live. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus? Ici, on a les pendeurs. Ici, il faut une mission, livrer des tomates. Mais on en a pas. Là, il y a une mission de labour. On fout un peu. Ici, c'est quoi? Un bar de coupe à maïs. Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas beaucoup de missions, en fait. Hein. Il y a quoi ici? Mission de transport. Il n'y a pas beaucoup de missions, en fait, quand même, là. On va prendre la route à droite, on va aller voir la mission de transport là-bas, mais... Je ne sais plus, je ne sais plus. On est perdu, hein, quand on... Moi, Farmer Dynasty, il y a longtemps que j'ai abandonné. Et pourquoi donc? Parce que t'en reviens toujours au même, hein, force. Parce que... Farming, ça revient pas toujours au même. Non, Farming, t'as quand même des mods, t'as beaucoup de maps, mais là... Ah oui, oui, non, mais... De ce point-là, oui, mais... Ne compare pas, c'est n'importe quoi comparable, Guillaume. Non, mais tu parles de répétition, oui. Ça, ça se répète toujours aussi, hein. Dans un sens, après, tu peux faire... T'as plus de variété, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, courage, bientôt le 22. Le 22, c'était il y a 4 jours. Je te raconte. C'était marrant ça, Kevin. Ok. Tout le monde a attrapé une Kevinis ou quoi? François, il dit ouais, mais ici t'as des gonzesses. C'est ah, vrai, je... François, c'est vrai. Je le reconnais bien là, lui. Je le reconnais bien là, lui. Pervers qu'il est. Et le pervers, c'est peut-être lui qui a donné naissance à Hulk, non? C'est le père de Hulk en fait. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Le pervers. Bah c'est oui. Le papa de Hulk. Bah oui, c'est là. Oui. Bah oui, c'est... Ah bah oui, oui. Bah oui. C'est logique. C'est... Et c'était le. Vidéo, hein. Et son prénom c'était Géant. C'est le géant vert. Parce que. Géant vert. Je plains quand même la femme. Parce que. Ah. Le géant vert pour donner Hulk, elle devait pas être grande. La pauvre. La pauvre. Donc, qui c'est qui avait une mission ici? Ça fait drôle de... Ouf. Je suis perturbé là. C'est cette famille du pervers ou pas? Le perturbé. Non, c'est celui qui fait des whisky. Des whisky déturbés. Bonsoir. Je cherche du boulot. Je recherche du boulot. T'aurais pas quelque chose pour moi? Ah si, justement, tiens. Aller le chercher. Parfait. Dans ce cas, compte sur moi. Je dis bonjour. Quand même. Bonjour. Même on n'a fait qu'un seul tour. Je t'ai encore 5ème quand même ou pas? Ça te dit de faire affaire? Ouais, mais on peut lui vendre des trucs. Elle. Ah ouais. Des courgettes, tu m'étonnes. Salope. Pardon. C'est sorti tout seul. Ah mais j'ai plein de légumes qu'on a ramassé la dernière fois au fait. Ah, je peux faire la mission avec les tomates alors. Ah oui. Concombre aussi. Bah ouais, 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 bah ouais, tu m'étonnes. Ah, regarde, il y a même des cornichons. Ah non, c'est un concombre ça. Non, c'est trop petit. On dirait un cornichon. Ça lui plaira pas. En tout cas, elle a des belles saucisses, t'as vu? Elle les collectionne. Hein. Ah oui, ah bah pendant ça, il faut que je dise quelque chose. Ah. Ça y est, il est reparti. Guillaume. Oui. En fait, il y a Kevin qui a fait une... Oh, qu'il est con. Une révélation. Aïe, aïe, aïe. On parlait barbecue. Tu sens la connerie arriver, là, non? Et on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, Kevin a lâché qu'il n'aimait pas la grosse saucisse, ça le l'écoeur. Voilà. On dirait un enfant dans la cour d'école, tu vois, et ça le fait rire. Tu m'étonnes. Aïe. Yo, oignon. Ça va, je me suis pris le mur. Aïe!
Tu vois, on y va. Tu joues à Lara Croft, non? Vu son beat, c'est plus la raclette, hein, mais bon. Mais non, mais quand il dit je me suis pris le mur, aïe. C'est pour ceux qui connaissent Lara Croft sur PS2, ils doivent savoir de quoi je parle. Ah oui. Elle faisait des bruits un petit peu... Oh oui. Un peu spécifique. Chelou, hein. C'était quatre fois limite, hein. Très limite. C'est là que tu te dis quand t'es gamin, t'as pas la même notion de... Débruitage. C'est ça. C'est exactement ça. En tout cas, moi je suis content pour Farming 22. Ils ont pensé à Zouk Machine dans des vignes. Ah. Pour en faire le vin, on a déjà un acheteur. Voilà. Zouk, il a tout acheté. Un acheteur du vin, oui, parce que. Il va te montrer 100 fois le même bouteille. Oui, j'ai 10 minutes d'avance en train de. N'empêche que tu peux dire ce que tu veux. Hein. Mais alors, s'il y a un truc qui est bien fait, quand même, c'est les rails ici. Hein. Tu trouves pas? Ouais, oh, si, c'est vrai que bon. Ah, encore, moi, quand je vois sur le retour, c'est pas aussi propre que sur mon écran. Mais. Il y a des choses sympas quand même. Moi, je pense que. Un jeu qui prend de la puissance, c'est quand même Captain Crops. Hein. Bon, ça va encore. Wow, un petit peu à la fois, Kevin, quand même. Hein. Bah, ouais, mais après, quand t'as des plus grosses configs, en fait, tu fais plus attention à ça. Bah, ouais, c'est ça, en fait. Bien sûr. Moi, je sais pas te dire lequel de mes jeux est. Bouffe le plus. Bouffe le plus, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en train de vider la console. Je n'ai aucun jeu qui met mon PC, entre guillemets, mal, tu vois. Donc, c'est ça que j'ai des fois du mal. T'es sûr, t'as pas Flight Simulator? Ça, Flight Simulator, c'est pareil, c'est pour tout le monde, c'est surtout un problème d'optimisation par endroit. Mais ouais, sur au-dessus de Paris, tu le sens, quoi. Ah, Flight Simulator, mais ouais, je veux dire, je peux jouer en ultra presque partout. Sauf au-dessus des grosses villes. Rentrez bon, partout. T'as fait le boulot. Ouais, Nico. Il y a du monde là-bas. Alors la petite astuce, c'est que j'ai laissé ma voiture là-bas, comme ça, hop, je peux revenir directement. Voilà. Ah, tu parles de la vasine comme t'es là. Ah, le TL6. Oh. Ah, la petite astuce. Ah, oh, mais... Allez le suivre. C'est ça, quoi, moi j'ai compris, la petite astuce. Lui il est 20h30, enfin 40, Ludo, quand même. Ah, 52. Bah quand même, un petit peu quand même, attention. On pourrait choquer François. Bah oui, attends, il y a des jeunes, quand même. Le qui? C'est moi. C'est moi, si je termine, tu parles de ça, je suis choqué. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai gagné là? 281€, magnifique. Mais c'est pas compliqué, Guillaume. Kevin, quand tu parles pas de glace, il est perdu, il comprend pas. Ouais. Ça, la glace est toute sa vie, Kevin. Tu me diras, même la glace, hein, il mange que celle qu'on prend pas. Aïe, aïe, aïe. On est pas aidé, quand même. Aujourd'hui, mon maladie, c'est bien, Kevin. T'es sage, tu vas pouvoir avoir une glace. Mais hey, t'as vu, hein? Non, maman lui a donné. En même temps, comment tu veux qu'il soit pas sage, le mec? Elle lui a donné pièce de 2 euros. Ah, ça. Arrêtez de faire vos jaloux, ouais. Ah, et en plus de ça, aujourd'hui, la mangeante était avec maman. Ah ouais? Ah. Petit bâtard, maman, et là, ils ont mangé en tête à tête. Et quoi, t'aimerais bien, toi? Ouais. Allez, je vais aller voir où est-ce qu'elle est, l'autre, pour ces tomates, là. C'est par là, je crois. Mission tomate, c'est par là. Bon, bordel, j'ai pris un Sega, j'ai une vitesse. Oh, bah, là, il s'est demandé, quoi. Sacré Kevin. Joshua. Bonjour. Salut, Joshua. Salut, Farmer.
Salut le farmer. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment va bien? C'est Jeff. Justement, mon dieu. Je vois. On l'a perdu. Ah bah, livrer des tomates fois 20. Consulter l'objectif. Ok. Mais en fait, je le fais bien. Hein. Ah ouais. T'inquiète pas, Jeff. On va tous faire bloc. Faut de pas, mon dieu. Je mange. Justement, mon dieu. Bon, ben, je pense que dans cette peine, il me reprendra pas, c'est Nico. Ah non, non. Ni Bottas, ni personne. Ah, quoique. Et quoi, et Hamilton, il va trouver teint. Hamilton, il s'est fait éliminer en Q2. Et il est parti étant le lisier. Oh là là, bon. En tout cas, bonsoir tout le monde. Mais ouais, alors je sais pas pourquoi, mais ça parle de tout. Hein. Je sais pas, Kevin, il conduit un train. Si je comprends bien, vous êtes en train de faire de la F1 ou... C'est ça. Ah ouais. En fait, ouais. Bonjour. Bien ce que je me disais. Puis moi, j'essaie de reprendre là où j'en étais dans Farmer Dynasty. En fait, faudra qu'on te montre. Guillaume, on a réussi à trouver pour faire des ligues en fait. Des ligues. Ature. En Formule 1. Ah, d'accord. Gamin. Des ligatures. Oh, des ligues voitures, ouais. Le déligament, le premier. Nathalie. Salut Nathalie. Je croyais que t'avais oublié de mettre un pantalon. Bonjour. Pour Nathalie. Bonjour. Nathalie. Non, y'a que les belles qui connaissent ça. C'est ça. Ouais, salut toi. La prochaine question est pour Nathalie. T'as une pénalité par un. 5 places. Ouais. Normalement, oui. Bon, alors du coup, vous savez qu'on était dans notre ferme, c'est bien beau tout ça, mais on va aller voir. Tu vois, Nicolas il marque toujours en attente de joueurs, tu vois. Et voilà, bim. Mais attends que le joueur arrive, et tu peux y aller. C'est pas la peine, ça fonctionne pas. Non, non. Alors, Nico, il est à vous que tu t'es renommé en joueur, c'est ça. T'as pas mis Nico dans le jeu, t'as mis joueur. Qu'est-ce qu'on a semé ici déjà? C'est pas marqué? Je gonfle. Nico, c'est bon, j'abandonne. Moi aussi. Ah, ici, c'est je crois. Bon. Ouais, d'accord, c'est bon. On va le voir ici. J'ai acheté une grande serre dans le Farmer Dynasty. 150 000 euros de produits de la serre. Ouais, bah, je les ai pas encore, les 150 000 euros de produits de la serre. Hein. Je te le dis, moi. Le souci, c'est que, voilà, en non classé, je me fais chier. En ligue, c'était bien parce que, voilà, on avait un réel classement, tu vois. Bah, non classé, c'est le seul qui fonctionne. Hein. Ouais. Les gens vont faire ça. Se retirer de la ligue, oui. Ouais, ah, je peux pas. Ouais, mais j'en suis sûr que les serres ça va bien, mais bon, tu peux pas commencer direct. Toi là, j'ai replanté déjà dans celle-ci, mais. Ouais, mais quand t'as des serres, il faut des biches aussi pour qu'ils en reproduisent. Bah, c'est ça. Le problème, c'est que là. T'as des cintres biches. Bah, c'est ça. Ma biche. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on a pour cuisiner? Déjà dans les recettes, je sais pas trop ce qu'on a. Il me faut l'échafaudage, lui. On va aller faire un petit tour là-bas. Quelle heure il est là? 13h dans le jeu. 20h52. J'ai dit dans le jeu, Kevin. Ah ouais, mais bon, précise aussi. Bah je l'ai dit, hein. Écoute aussi. Mais tu l'as dit après. Attends, on dirait ma femme quoi. Écoute rien. Alors, œuf. Ah ouais, donc poivron, j'en ai pas. Allez, elles sont dans le même toi. J'ai pas de melon non plus. J'ai des courgettes, combien il y en a des courgettes? Ah, il y en a un petit peu. Non, en fait, faut que je trouve des champignons pour pouvoir faire des assiettes de champ. Ah, je viens dans le frigo. Alors. Mais tu vois, moi, des... T'as vendu tout ce que t'avais dans ton inventaire, mais t'as vendu quoi, J'avoue, François, c'est vrai. Bizarre si ta femme ressemble à Kevin. Je parle pas de la ressemblance, je parle de sa façon de ne pas écouter quand elle pose une question. De ne pas écouter la réponse. Bon, en même temps, au niveau de la moustache, c'est possible.
C'est toi. Oh, j'ai pas osé la faire en plus. Si, il faut. Et je dis, bon, allez, je vais quand même me retenir. Non, pour une fois que tu te retiens de faire quelque chose, toi. On aimerait bien que tu te retiennes plus souvent pour autre chose. Oh, pourtant, t'en as raté une paire. Hein. Oh, ouais, bah, ouais, c'est bien. Ça m'a pas manqué, ça, tu vois. Ludo, Derek, il s'est habitué maintenant. Oui, bah, oui, à force. À force, Kevin, tu vois. Je cherche les champignons. F1, ça me saoule. Ok. De tout le temps devoir recommencer. En fait, ce qui me saoule, c'est pas tellement le jeu, c'est de tout le temps tout recommencer. De toute façon, la ligue, tu peux oublier, ça fonctionne pas. C'est ça, mais le problème, tu vois, c'est que quand tu fais un non classé, oui, tu as un classement, mais le problème, c'est que. Ah ouais, il n'y a plus d'essence à lui. Arrête, quand on recommence, on recommence à zéro à chaque fois, quoi, tu vois. Appeler la dépanneuse. Et ça me saoule, en fait. D'accord. Ça c'est fait. J'ai fait des plats préparés, j'en avais 400. Ouais, mais attends, mais t'as joué combien de temps aussi François ? Bon, apparemment, il a quasiment fini le jeu. Il a fait le tour. Il est marié, il y a eu des gosses. Il a trompé sa femme avec la vasine. Pourquoi François, tu dis derrière tes champs ? Tu parles de quoi, des champignons ? Ouais, ouais, mais je sais bien, mais j'avais plus d'essence alors. Je suis allé à recherche, j'ai fait dépanner mon Jack Bear. J'aurais dit. Salut Fusion. Salut, salut. C'est vrai qu'on avait fait ça la dernière fois avant que je tombe en panne. Tu m'avais même dit de passer un petit coup de herse pour faire apparaître les champignons. Putain, la herse par rapport au tracteur, elle me paraît énorme, quoi. Comment je fais pour... Ah, voilà. Le problème, c'est qu'il faut que je réapprenne les touches aussi, parce que... Comme je ne jouais plus au clavier depuis un moment... Tu joues à Farmer Dynasty... De 6 à 7 heures. Le matin. Ouais, mais... Pendant combien de jours aussi, attends. Et moi j'ai combien d'heures de jeu là sur cette partie là? Pas beaucoup hein. J'ai une dizaine d'heures à peine. Hein. Puis en plus on se promène à droite à gauche. Oh si quand même, on a fait quelques lives dessus. À chaque fois c'est une heure et demie, deux heures, ça dépend. On n'a pas eu beaucoup à deux heures, tu me diras, mais. Mais pour avoir 400 plats préparés dans dès le départ comme ça, il faut quand même faire pousser tes légumes une paire de fois. Ou alors faut avoir mis tous les mêmes légumes pour faire toute la même recette et puis avoir pile poil. Mais comme j'avais pas le livre de recette quand j'ai planté mes légumes, ou alors j'y ai pas porté attention plus que ça aussi. Ça marche bien la herse pour tourner la pelouse en fait. Je sais pas si c'est très conventionnel mais. C'est le résultat qui compte. Hein. Exactement. Est-ce que c'est la saison des champignons aussi? Le train il fait une brune d'une Formule 1 en fait. Ouais, c'est gentil le farmer. Moi aussi un petit peu j'avoue. Et franchement entre le boulot, le déménagement, les travaux, c'était pas possible. C'est le contraire, ça nous avait pas manqué. Ouais bah c'est sûr. Non, c'est pas le live qui t'a pas manqué, c'est moi, c'est pas pareil. Comme quoi, le but c'est pas d'avoir 500 000 personnes qui te suivent, hein. D'avoir quelques-unes qui sont là régulièrement, ça suffit pour se dire que qu'on n'est pas tout seul et qu'on fait pas ça comme ça.
juste dans le vide. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est un peu chiant ça. C'est cool comme disait la rivière. Pardon. C'était moche. Oh, là là. Oh que c'était moche. Ouais. Ouais, ref. T'as raté rien, la t'as citation rien, du jour. T'as rien loupé, Ludo, encore une fois. Non, non. T'as rien raté, non. Oh, si, il a raté une belle citation. Ah, ouais. Moi, non. Je m'attends au pire. Venant de toi, Kevin, franchement. Ouais, j'y faut quand même le dire quand même à Ludo, quand même, pour qu'il soit au courant. Tu sais que ça veut rien dire, il faut encore le dire à Ludo. Non mais si, il parle de Kevin en fait. Kevin, t'es en forme. En forme de quoi, on sait pas, mais ça, c'est sûr, on a toujours pas déterminé. Même les barbes à papa, on savait à quoi ressembler, tu vois. J'aurais été plus vite en planter des champignons parce que j'en trouve pas. Dommage qu'on ne sache pas vraiment faire de crédit non plus. Garde. Et il manque un multijoueur aussi. Donne-moi ta save, je vais te faire un crédit. Je parlais d'un crédit, Kevin, pas d'un... Pas d'un casse. On se faiblit, Unico. On se faiblit. Je sais pas vous, mais moi demain soir, un petit pirate, non je... Ah, ça c'est une très très bonne idée. Il y a longtemps. Hein. Non, pas demain. Moi je pense qu'avant vendredi, ça va être compliqué. Mais bon. On peut déjà faire une partie et puis. Pas avec moi quoi, je veux dire. Oui, je ne serai pas là, c'était ça que ça voulait dire. On en refera quand tu seras là si tu veux. Oui, non, mais y a pas de souci, hein. Vous avez le droit de jouer quand je suis pas là. Hein. Encore heureux. Encore heureux. Parce que là... Ne me cherche pas sur ce sujet-là, hein, parce que... Ah, tu sais bien, mais j'aime bien moi, aller sur les sujets là qui fâchent les gens. Oh non, c'est pas moi que ça va fâcher. Ça, c'est certain. Toi non plus, tu me diras, donc... Toi, je peux te dire ce que tu veux, t'en as rien à branler. Alors... Le mec, il s'en cogne, tu peux lui dire ce qu'il veut, il s'en fout complètement. Une maquette de Jeep Willys. Est-ce que c'est une vraie au moins? Mais ça va être un peu Willys pour une maquette. Ça dépend, c'est une grosse ou une petite maquette. Est-ce qu'elle est grosse, maquette? C'est une maquette, c'est une maquette Willys. Est-ce qu'elle est grosse ou elle est petite, maquette, à ton avis? Moi, elle est grosse. Bon. Ah bah moi je vais pas me vanter, elle est normale. Ouais, non, bah après, ouais, mais ça, Kevin, c'est long quoi. En plastique, en 1,35. Ah oui. Plus les 800 plastiques. Ah bah, Ludo il prend pareil, il en prend en plastique, 1,35. Parce qu'après c'est trop grand. Qu'est-ce qu'il fout? Cherche pas, Ludo, je pense que. Non, mais. Il va faire genre qu'il ne comprend pas. Je pense que même lui il a pas compris ce qu'il a dit alors. Si, moi je me comprends. Non, mais là, Kevin, je te le jure, je t'ai pas suivi par contre. C'est pas une blague. Pour une fois, je t'ai pas suivi. Il a le farmer qui dit que non, en plastique et chaîne à la 35e. Mais toi aussi, t'en prends des sur en plastique à la 35e. Tu comprendras quand tu seras grand, t'inquiète. Après, tu vois, il y a des vannes qui ne passent pas et des vannes qui passent. Mais bon, on aimerait bien avoir une qui passe de temps en temps, quoi. À quoi? Enfin, ça serait peut-être mieux même qu'elle s'arrête. Mais un gars qui travaille chez les zoos et qui comprend pas les vannes, je suis désolé, mais voilà, ça pour les vannes. Peut-être pour ça qu'il y travaille plus. Hein. C'est pour ça, mais voilà, cherchons pas plus loin. Il avait un problème avec les vannes. Ludo. C'est ça. Mais bon, la différence entre Kevin et moi, c'est que moi j'ai quand même travaillé 15 ans. Ah oui. Ah, moi j'en ai fait 3.
si tu veux, tu peux quoi aller faire les 15 séances de kiné qui me restent, hein, là, maintenant. Non, ça va. On est face à de la kiné. J'ai fait 6 mois sans marcher, donc tu vois. La kiné, j'en ai fait. Bah, Kevin, ça fait 20 ans qu'il marche pas. Tu dis, ça fait 6 mois. Alors là, on a du colza à 720. Faudrait peut-être que je change mes piles. Mais ça. Mais les Duracell. Encore non, Duracell, non, que je vais te constiper après. Je m'en rappelle plus. Oh non. Duracell. Non mais les gars, franchement. Mais c'est vrai. Tu te mets des piles Duracell pour te constiper. Cherche pas une cause, une traction dans farming, mais je... tu ferais mieux de faire une 2 dush plutôt qu'une traction pour farming, ça serait plus utile le farmer. Cherche pas tonton, tu sors. il a dit. Qui, François? Oh, ça vient de François. Il y a qu'un seul point de vente en fait, encore pour ça là. Bon, bah on y va alors. Allez, on va aller vendre ça, ça va nous faire un petit peu de thunes. Et puis... Il y a déjà une 2 chevaux dans... sur King Mode. Ah, je connaissais pas, moi, tu vois. Il y a que Nico qui connaît ici King Mode. Il y a 2 CV sur King Mode, pourquoi c'est pas l'emploi? Ouais, Marlon qui fait ta recherche d'emploi maintenant. Ouais, il pose des CV, c'est bien, hein? Ouais. Il y a celui de Kevin dessus. Oh punaise, non, il y a 2 CV. Ah, mais non, vous êtes fou. Oh là là là. T'es sérieux? Le pire, c'est qu'il est sérieux. C'est ça le pire. Alors, d'habitude, on dit le pire est à venir, mais bon. L'avantage avec Kevin, c'est qu'on peut dire qu'il est là parce qu'il est pas là de venir. Aïe aïe aïe. Non, mais sans déconner. En même temps, pour qu'il puisse venir, il faut checker une copine. Là, ouais. Je t'ai pas suivi. Ouais, pour qu'il... Ouais, mais t'inquiète, hein, il en a 2, hein. Une à gauche, une à droite. Ouais, celle-là, je l'ai compris. Et là, lui, je t'ai pas suivi, toi. Ah, des copines bon, pour revenir. Non, ça y est, on t'explique un peu, tu seras grand. Et n'empêche que si les CV sont aussi merdiques que certains modes. Je plains les employeurs quand même. Moi, j'irai pas faire. Moi, tu vois, je cherche à embaucher des gens, j'irai pas chercher là-bas. Bon, après, c'est pas lui qui fait les modes, tu me diras. Il est publié, mais bon, quand même. Quand même. Je pense que oui, il y a un moment où. Chaque chose à sa place et chez toutes. Ah, on va vendre un peu de ça. Voilà. 7000 balles. Mais putain, mais comment. Putain, t'as beau faire des plats et tout, mais tu dois passer ta vie à cueillir des champignons, le fermeur, dans ce truc-là, si tu veux chercher, si tu veux faire des plats, tire l'arigot. J'ai déjà fait un tour sur King Mode. C'est Traiteur Simulator, quoi. C'est quoi? Traiteur Simulator. C'est ça. Je vais rouler un peu dans les champs pour voir si je trouve des champignons. Enfin, dans les champs, dans les bocaux, dans l'herbe surtout. Mais je pense que je vais avoir du mal à trouver des champignons parce que j'ai croisé quelques Kevin, à mon avis, ils ont tout bouffé. Oui, oui. C'est Kevin, t'as faim? Oui, oui. C'est ta femme qui fait le bruit au soir. Non. Elle fait pas oui, oui. Ouais, pas comme ça. Ça c'est sûr. Ouais, mais bon, le jour d'un petit rhume, tu vois, un petit nez bouché, bah, ça fait plus ou moins ça. Non. Je suis. Non, non.
Renicon. Salut Lu. Merci pour ton follow. Lu 368. Et bienvenue à toi. Hein. Et exactement. Il y a une montagne dans le jeu où il y a plein de champignons. Mais elle est où là ? Plus que lui pour terminer la maison. T'as dit bienvenue à toi. C'est drôle ça, Kevin. Oui, c'est comme quand tu dis j'ai parlé de toi. Ah bon, avec le couvreur ? Bah, oui. Ah, non. C'était marrant. Non, mais non. Kevin, Guillaume, arrête parce que Kevin Nicolas comprend pas. C'est trop haut le toit. Oui, je m'étonne. Ouais. Il y en a, vaut mieux pas qu'il monte dessus non plus. Regarde, il est là, Kevin. Ouais. Il court. Dommage qu'on n'ait pas un fusil là. Ouais, bah, dis-moi où aller la montagne, le farmer, et puis je vais aller chercher les champs. Hein. Ignon. Pas des champagnes. Que... J'ai pas l'impression d'avoir tondu ici la dernière fois. Moi. Est-ce qu'il braque assez court lui? Oh non, ça brasse, ça passe pas. Ouais. Bah ouais, du coup, ouais, j'aimerais bien. Voir où ça se trouve. Des clés. Tac. Ça c'est bon. Je me demande combien. Parce qu'en fait on peut vendre ces parcelles là. Ça coûte ça. Voilà, la montagne, elle est en gros, tu regardes l'étang à côté de ta ferme, tu vas tout droit, normalement, et t'as une ferme où il y avait ta moissonneuse. Et après, tu vas derrière la maison, et tu as une montagne, et tu te promènes. Oula, ma ferme, l'étang, la batteuse, elle était là. Et donc, il y a une montagne ici. Donc en gros, c'est par ici. Bah écoute, on va aller jeter un œil. 600 mètres, on va aller faire un tour là-bas. Ah ouais, si j'étais en train de regarder un truc. Shift, l'est de gauche. Plus clic. Est-ce que ça va me donner le prix? 5000 balles? Bah tu rigoles ou quoi toi? Ça vaut pas le coup. Là où j'ai mon curseur, ça va. Ouais, tu vois, je comprends quand même hein, ce qu'on me dit. On dirait pas comme ça. Mais... Allez, on va sasser les champignons. Et je sais pas s'il y a des graines de champignons au magasin en fait. Se faire chier. Ouais, mais ma voiture, François, elle est au fin fond de la map tout en bas. Parce que je la laisse, parce que quand il y a la mission de transport, c'est toujours en bas là-bas. C'est toujours chez le même bonhomme, là, chez Steve ou je sais pas quoi. Donc du coup, je laisse ma voiture en bas, à côté de l'arrêt de bus. Ah, ils poussent partout, les champs pipis, je veux bien, mais ils poussent partout, sauf là où je suis, alors... Tiens, d'ailleurs, je me demande si, ici, il n'y a pas un coffre. Si. Allez, du poiscaille. Voilà. Comment tu veux trouver des champignons là-dedans toi? C'est ça ta montagne? On les voit pas avec la vue ingénieur les champignons?
Ah si, on les voit. Il y en a là, tiens. Il y a plus passionnant que de chercher les champignons, mais bon, à un moment, si on veut gagner sa vie. Oui, passer. Alors, là, ça, c'est aux champignons. J'ai l'impression d'être meilleur chasseur à la bécasse. Je vais retourner de l'autre côté de la rive là, j'ai l'impression que. C'est ça, François. Exactement. Non, non, moi je suis là, je suis concentré en un mot. Ah merde. Ouais, mais en fait, je peux pas muter Kevin, il est admin. Dans le Discord de Simulagri, il est admin, donc dans l'os. Ça va pas marcher, François. C'est on pas reste le patron, ça va le plus haut. On va demander à Bruno. Bah en fait, si tu peux me mute, mais je peux me démute, tu vois. Ah si, moi je peux te mute et tu peux pas te démute de mon ordinateur. C'est-à-dire ah oui, là si tu mets mon son à zéro, là je peux rien faire. Ouais, je peux te rendre muet pour moi. Donc pour tous ceux qui me regardent. Allez, on fait un vote. Comment on fait un vote dans Twitch Studio? Faut que t'installes un bot. Wizbot le fait. Et après, tu lui balances les commandes et hop. Ah, celui-là, il est d'accord pour... Qui est d'accord pour muter Kevin? Wizbot, il va être d'accord tout de suite. Bon, limite, je serais tranquille. Je pourrais mettre le son de train si mort d'à fond dans les oreilles et profiter du paysage qui est super beau. Je te jure, il est magnifique, Nico, ce DLC. Ouais. Alors regarde, je partage mon écran si tu veux, je t'amène. Ok, ok. Fais gaffe, Nico, le jette pas trop loin parce que Kevin il risque de pas te le rendre. Moi je le trouve super sympa. Combien on a de pipignons là? Ils sont où les champignons? 9 seulement. Putain, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je ramasse des champignons, j'en ai 9. Avec un zolitre, hein. Mais regarde l'ambiance, moi je le trouve bien. Hein. Pas mal. Fier, ça y est, je joue au stick, attention, mort maintenant. Ah, moi aussi, je prends mon stick pour jouer à Tracy mort, mais bon. Ouais. On va faire tout chou, mais. Regarde Ludo, mon live. Ludo fait le petit train, mais il fait pas la loco. C'est vachement sympa le paysage. Attends. Peut-être faire deux secondes, attendre qu'il arrive. Sans il va arriver, je rentre dans le tunnel, quoi. Deux secondes. Une minute, deux secondes, ça savait pas au pied. Vas-y. Ouais. Je l'ai bien, je suis sympa. Tantôt que la ligne haute tension et tout, qui était le long de la voie, c'était vraiment pas mal. Haute tension, Léon. Change pas de fusible de ton épaule. Mais tu vois, il n'y a pas grande différence entre le 1 et le 2, visuellement. Il n'y en a même pas. Hein. Non. C'est ça, en fait. Mais c'est... moi, j'aime bien l'ambiance de ce DLC, un peu automnal, là, tu vois. Mm-hmm. Ouais, mais après, voilà, tu conduis après, quoi. C'est quoi, automnal? C'est comme une cave de... Oula. Comment ils font, ceux qui font du vin, là? De viticulteurs Il n'y a plus qu'un tonneau? Un tonal? C'est ça que t'appelles un tonal?
Oh, oui, tu vas chercher. Ouais, mais c'est... j'ai eu un peu du mal à trouver le viticulteur. Je sais pas ce que. Je dois pas en consommer assez, tu vois. Pour savoir comment ça s'appelle. Trop. Alors, est-ce que tu veux que je fasse venir Zouk Machine en live? Oh mon dieu. Tu ne sauras pas. C'est un grand consommateur de. Il va se mettre en stream, il va montrer ses bouteilles. Tant que c'est que ses bouteilles qu'il montre. Ouais, bien. Est-ce que dans moi, tiens, grâce à ses bouteilles. Je ne voudrais pas le voir nu. Hein. Oh non. Tu t'imagines de drôles de choses quand même. Hein. Leonardo DiCaprio, chef. Regarde, il nous regarde, moi, cet arrêt. Hop, tout en douceur. Je dois. C'est qui cet arrêt? C'est des deux, cet arrêt. Je te merde, petit con. Petit. Bon. Juste un poste, hein, il est beau. Pas de mensonge, Ludo, sur. Oui, aussi. Sur mon live. Con, si tu veux, petit. Ah putain, c'est pas mal les affiches à distance, j'ai pas envie de tout ça. Ah, mais quel feignant de faire ça. Toi, ça, c'est bien du Kevin. J'attendais qu'il dise. Ça. Quoi ? Oh, oui, de devant, c'est pas. Bon, il n'y a plus 50 000 des champignons, j'ai l'impression. Et Joseph, qu'est-ce qu'il dit, Joseph ? Ouais, là, c'est pas... C'est moi le délire, là, tu vois, c'est pas... Dire bonjour à Joseph. Joseph. Kevin, t'es pas toi le secrétaire de Bruno ? Pour ? Parce qu'il y en a un qui a mis un message, là. Qui veut quoi, encore ? C'est Ganaël. Ganaël ? Ah ouais. Il voudrait parler à monsieur Bruno de Simulagri. Bah s'il veut parler à Bruno, pourquoi est-ce qu'il veut parler à moi? J'ai... Bruno Simulagri a lancé un raid sur votre chaîne avec une personne. Wow. Merci Bruno. En fait c'est lui-même, non? Merci d'être venu. Tu pouvais juste venir suivre. Hein. Un groupe de 1. Donc lui il est venu en multi mais tout seul. Voilà. Faut être minimum 2 pour faire un groupe, tu vois. Non, mais bah, ça groupe. Dépend, tu sais, il est habitué avec toi aussi. Hein. Parce qu'un groupe de 1, c'est un peu compliqué. Toi, Kevin, tu fais du solo tout seul. Bonjour. Ah ouais, ça. Et t'as vu ça? Qu'est-ce qu'il dit, Brunal? Bonsoir à Stimulagri Bruno, soyez-vous disponible pour un truc, s'il vous plaît, je peux vous MP. Allez, Bruno, réponds à tes MP. Ah, je fais des tests. D'accord. Ouais Bruno, il y a monsieur Ganaël. On te notifie en plus et voilà quoi, tu réponds même pas. Tchao général Bruno, 21h20, Ganaël, qui veut parler à monsieur Bruno Simulagri. C'est vraiment gentil de ta part. Tu vois pas ton stream sur ma chaîne, pas normal. Sur ta chaîne, pas normal. Ah bah ça par je peux pas. En fait Bruno, je pense que parce que t'es connecté, c'est en mode visiteur, peut-être que tu le vois. Ouais, alors par contre, il veut Bruno, le gars là, il veut te MP, mais est-ce que c'est masturbé propre? Mais non, mais non. Mais quoi, mais non. Mais non. C'est peut-être un manche-pine, hein. Ça part en sucette. Merde, qu'est-ce que je fais? Je recommence ce que je suis en train de faire. Tu viens de faire n'importe quoi. Bon. Ah, c'est bien, Bruno y a répondu. Bien. Salut, Jounette. Par contre, il a marqué bonsoir, le monsieur. Ah, regarde, j'ai trouvé les tonneaux. J'ai trouvé les tonneaux de Kevin. Bon, par contre, je me rappelle plus. Je vois pas trop. Je suis où, là? Alors, on va retourner à la maison. C'est là-bas. S'il n'y a pas des champignons sur la route. J'ai envie de m'acheter un nouveau téléphone pour moins de 200 balles. Avez-vous, avec assez d'espace, moins de 200 balles. 200 balles, ouais. C'est chaud quand même, en deux cases. Ça dépend si tu veux un téléphone seul à 200 balles ou un téléphone à 200 balles avec un forfait. Parce que ça change tout. Parce qu'à 200 balles avec un forfait, tu peux te payer un smartphone dernière génération.
d'une bonne marque, si c'est juste 200 balles téléphone seul, là, t'as du Wiko, t'as du... Ça existe encore, Wiko ? Ouais. Il y a tellement longtemps que j'ai entendu cette marque, Wiko. Bah, c'est quand t'as 9 co, puis que t'en tues un, on a plus que 8. C'est ça. C'est drôle, ça. Non, après, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait attention à ça que moi je me pose pas trop la question. J'achète toujours les mêmes, donc enfin toujours les mêmes façon de parler. Allez, 12 assiettes forestières. Oh putain, klaxon, il éclate les oreilles. Un tel sans forfait avec assez d'espace de stockage. Bah, le meilleur moyen c'est d'aller sur les sites constructeurs et puis de te faire toi-même l'idée de ce qu'il y a, hein, parce que je pense c'est trop difficile à te dire comme ça de tête, honnêtement. Avec beaucoup d'espace de stockage, à part les dernières générations, Non, mais t'as des smartphones à 300 balles. Ouais, mais je veux dire, ne reviens pas à 4 ans, plus que 4 ans en arrière, parce qu'ils n'avaient pas énormément de stockage à l'époque. Oh, si, ah, bah, si. Bah, si, t'avais du 36, 64 gigas et tout ça. Après, tu peux mettre une carte SD, le farmer. Bah, ça dépend si t'as pas de lecteur SD sur le téléphone. Et tous les smartphones maintenant, ils ont pas tous, hein, d'extension. Moi j'en ai toujours eu sur les miens. Après, il y en a qui ont besoin d'extension, il y en a qui n'ont pas besoin. Hein, c'est... Ah oui, c'est sûr. Moi j'irai vendre dans l'occasion à ce prix-là. Ou en reconditionné. Bah, en reconditionné, ça sert à rien. En reconditionné, ils te les vendent 50 balles de moins qu'un neuf. Alors, franchement. Ça sert strictement à rien à reconditionner. Bon, là on a un peu de stock, on va aller vendre un peu tout ça là parce que. Alors attends, je vais retirer le point là parce que ça me saoule. Je vais aller vendre juste à côté là. Après, moi, tu vois, j'ai vendu mon S9 Plus là, donc du coup, il a. Là, j'ai le 20. Donc, il avait 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça vaut. Enfin, d'occasion, tu vois, ça vaut encore 450 balles, quoi. Bon, moi, j'ai le S9. J'ai même pas envie de m'en séparer sur le. Pour ce que j'en fais, sincèrement, j'en veux pas plus. Ouais, voilà, mais après, bon. J'ai acheté un S20 à la place. Parce que chez toi, je suis pas. J'achète jamais toi les téléphones dès que ça sort et tout. Je garde toujours celui que j'ai. Dès qu'il crame, je prends le dernier de la gamme à chaque fois, tu vois. Ouais. Mais je m'amuse pas à chaque fois que j'ai le téléphone, moi. Moi tous les 2 ans. Oh pff, l'argent jeté par les fenêtres, moi je trouve. Moi je fais pas 2 ans avec mes téléphones. Enfin, c'est rare que je fasse 2 ans. Souvent je fais 1 an et puis je le change. Et si cette année je pars sur l'iPhone 13? 10 462,55€. On a bien avancé, on était à 6000 balles tout à l'heure. Et il est quelle heure? 18h58. On va aller se coucher. Je crois qu'il y a. Encore plus de Kevin. Comment? Tu vas coucher encore plus tôt que Kevin. Et tu rigoles, mais en ce moment c'est vraiment ça. Je te jure. Je sais pas, Kevin. Oh, bah moi, vers 22h30, je vais au lit, après je regarde la télé jusqu'à 1h, 1h30. Ouais, mais fais comme moi, passe 2 mois et demi à faire toute ta semaine au boulot. Toute ta semaine de malade au boulot, plus. Mais trop longtemps pour faire des semaines. Semaine. En plus, il sait pas parler. Non mais des semaines comme ça au boulot, plus tous les week-ends et la plupart des soirs à bosser à la maison, je peux te dire que c'est épuisant. Franchement, il y a des années que j'avais pas envie de me. Il y a des jours à 20h30, j'étais couché, quoi.
J'en pouvais plus. J'étais HS. En fait, dès qu'il n'y a plus assez de lumière pour que je bosse, j'allais me coucher. Puis la première semaine à la maison, là... Et après, travailler sans lumière, c'est un jeu pour attraper des boss. Ouais, c'est clair. Non, mais puis la première... Celui que j'ai, ça fait 4 ans que je l'ai. 4 ans pour un smartphone, c'est pas mal. Mais... Ouais, les 5-6 premières nuits dans cette maison là, pas bien dormi non plus, tu sais, tu changes d'environnement, les sons sont pas pareils, les trucs, tout ça, c'est... Tout est... Tout change quoi. Bon, je pense qu'on va remettre... je vais aller voir la serre. Et puis la serre Chadli. Je devrais pas dire plutôt la biche, non? Ça se dit pas la serre, non? Ou Madame le serre au pire, mais je sais pas. Je sais pas, Ludo il est pas là, donc va pas me dire. Parce qu'après c'est pareil, moi je passe pas les, tu sais, les nuits, enfin les, je vais pas dormir genre une semaine quoi. Dans le jeu, mais c'est peut-être ça qu'il faut faire. Je suis con. Là, j'ai une mission de transport. Ça, c'est toujours labouré. Ils me font chier, labouré les champs. Ouais. On va aller se reposer une semaine. Bonne soirée, le farmer. Salut, le farmer. La maison. Ce qui me fait marrer, c'est que tu passes une journée de travail, t'es fatigué, t'as faim. Là, je viens de dormir une semaine, j'ai pas faim. Ce qui est limite dommage quand tu fais te reposer une semaine, c'est genre les œufs et le lait. Tu devrais avoir les quantités d'une semaine, peut-être pas à ramasser, mais au moins dans ton inventaire, t'es. Et encore un décollage aujourd'hui. Pouah. Delta 4. Mission secrète pour National Reconnaissance Office. Les premiers qui sont partis, là, ils sont déjà fatigués, donc il faut les remplacer. Et j'ai entendu quand même, Kevin, ils vont vivre pendant quelques jours à 11 dans 140 mètres carrés. Et ouais. En fait, c'est le loft story, en fait, le truc, là. Ah non, de toute façon, spatial, ouais, ici, ouais, là, ils sont un peu les trois, là. Il y a même pas assez de lits pour tout le monde. Mais comment ça se fait qu'ils doivent, comme ça... Bah, les deux œufs, il y en a trois ou quatre qui vont revenir. Hein. Ah ouais, faut le temps que la fusée revienne, quoi. Faut juste faire la transition, quoi. Bah, c'est surtout où est-ce communiquer les infos les uns les autres, peut-être. Non, parce que chacun a son propre programme, quoi. Chacun a son propre module. Hein. Les Américains ont le leur, les Chinois ont le leur. Mais non, mais il se passe bien un relais sur quelque chose quand même. Mais ben, sans les Français, le seul boulot qu'ils ont, c'est essayer d'apprendre à parler correctement. Donc, plus il y a 90, plus il y a le collecting, tu vois. Pas normalement, quoi. C'est drôle ça, Kevin. Surtout qu'il parle anglais là-bas, mais bon. Ben ça va mettre des belles fleurs. Hein. Tiens, si j'ai ça dans ma serre quand elle sera finie. Oh, c'est même pas des légumes que tu vas mettre en fait, c'est des fleurs. Pourquoi c'est... Les légumes, ce sont des fleurs avant de devenir des légumes. Bah,
Non, regarde Michael Schumacher. C'est un pauvre tu sais, Ludo. Est-ce que tu sais ce qu'est le plus dur à manger dans un légume? Le fauteuil roulant. Ouais, le fauteuil, Kevin, on dit pas roulant. Non, mais Ludo, j'allais le faire. Ouais, regarde Michael Schumacher, on a jamais été une fleur, pourtant c'est un légume. Ouais, je reviens. Peu, là, je te jure. On n'est pas payé cher, mais... Après, t'as des beaux légumes aussi, hein. Ils sont pas tous laids, hein. Pourquoi ils ont mis autant de casiers pour les œufs, ils sont jamais pleins. C'est quasiment toujours les mêmes qui sont remplis. Voilà. Tu regardes, Nico ? Ouais. T'as vu ce que je dois faire? Ouais. J'entends comme un chat à zéro. Ce qui t'arrive, quoi. T'es encore dans F1 là? Non. De quoi? Il te ramène dans le menu à chaque fois, c'est ça? Mais tu fais échappe, tu mets le menu principal. Non. Parce que là, ils ont toujours un bug chez Trincimorda. Donc tu commences un scénario, donc tu fais tes tutos et tout, tu commences tes scénarios, tu fais une save, et quand tu reviens, tu retournes sur le DLC, à chaque fois il te remet l'intro. À chaque fois il faut attendre, il faut mettre retour au menu principal, et là tu reprends ta partie. Ça donne envie de jouer, Ludo. Et comment on sait si c'est prêt à la récolte En fait, on le sait pas, en fait. Bon, les tomates, ça va pas tarder. Je sais pas, j'arrive pas à voir si... Les pois, ils sont à récolter ou pas? Les goûts, ça sont l'air pas trop mal. Je sais pas, je vais sortir la batteuse, je vais voir. Sont pas arrivés à maturité. Bon, bah, comme ça, j'ai la réponse. Bon. D'ailleurs, je me fais commencer. Je vais peut-être. C'est marqué quand c'est prêt. Ah, d'accord. Mais c'est marqué où quand tu fais la vie ingénieur comme ça là. J'ai jamais fait gaffe en fait. En fait, ce jeu, on y a joué un bon moment, Ludo, mais j'ai jamais fait attention. À grand chose. C'est la première fois, je crois, que je fais attention à ce qui se passe dans le jeu, tu sais. Le fait de streamer et tout, on en parle un peu plus et. Pauvre grand-mère poucher les champignons. Bon, je pense que là, on a encore une petite semaine et puis on devrait pas être trop mal. Le blé, il est. Il va pas tarder non plus comme ça. On pourra aller vendre un peu. Bon, allez.
Ouais, vas-y, le cou... Putain, la pelouse, elle a poussé dans la cour, laisse tomber. Je sais pas, quand t'es marié, ta femme, elle tond la pelouse ou pas, non? Ah, moi, elle l'a fait ce matin, oui. Moi, je l'ai fait le week-end dernier, la pelouse. Ouais, non, c'était dans la semaine que je l'ai fait. Je l'ai fait dans la semaine. J'ai dû le faire à midi, je suis rentré pour manger et puis j'ai tondu la pelouse. Ah oui. À cet endroit-là, ok. Donc là, c'est pas encore prêt à faire. Par contre, dans la serre, j'ai des trucs prêts à la récolte. Cool. Bah écoute, on va récolter ce qu'il y a dans la serre, on va replanter les légumes à tire-larigot, on va faire ça. En fait, je crois que c'est le seul moyen d'aller vite dans ce jeu. Faut pas se faire chier comme moi, passer toute la journée à se promener à droite à gauche. Ça sert à rien. C'est bien au début quand il y a des trucs à faire, mais après... Merci François. François Feldman. Jamais vu un agriculteur se promener avec une ceinture de maçon à longueur de temps. Hein. Franchement, jamais vu ça. Mais bon, c'est peut-être un concept. Voilà, il y a du monde là. Ah, t'as vu ma connerie que je t'envoie? Oui. En même temps, il peut pas avoir vu ta connerie que tu lui as pas envoyé, Kevin. En faisant quoi la recette tomate à l'italienne? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'emménages ou quoi? Je peux t'aider? Mais c'est toi qui es chez moi. Ça se fout de ma gueule. Chose que je devrais savoir. Je crains que mes compétences s'arrêtent là. Il serait mieux d'aller demander à quelqu'un d'autre si tu veux en savoir plus. Merci. À plus tard. Je peux t'aider? Je débute un peu dans le milieu. Ah ouais, d'accord. En fait, je peux juste lui demander qu'il y ait des trucs. Ah, donc là, t'as le point à ce point de chez moi, je peux même pas la draguer. Quoi. Sans déconner. Ouais, allez, merci. Merci. À plus tard. Salut. À plus tard. Bisous. Prochain. Ah, j'ai pas de chaud. Je vais aller regarder les recettes. Le chat a été écrasé. C'est ça. Parce qu'à mon avis, de faire les assiettes là, tomate, œuf, melon, tomate, œuf, machin. Si je fais ça, ah, j'ai 97 assiettes. Ah ouais, donc le gratin à l'italienne. Tu travailles chez Takeaway? Pourquoi? Chez les Dauphes Pêches. Pourquoi donc? Bah, tu fais des menus. Hein? Tu fais des menus. Oui. Donc en fait, il faut melon. Enfin, il faut tomate poivron en fait. C'est ce que je ferais. Tomate poivron. Les gros. Les cocos, les arnognons, les nichons. Je suis occupé de me faire du riz au lait avec du sucre. Du riz espagnol? Non, arrête. Ouais, non, Ah si. Mais, non, mais moi, ah si. Oui, mais moi je l'ai, mais eux ne l'auront pas.
Vas-y, attends quand même. T'es sérieux là? Non, non, ils ne l'auront pas. Non, ils l'auront pas. Kevin et Nicole l'auront pas. Non, enfin, bah, attends, ils n'ont pas réagi, c'est qu'ils l'ont pas eu. Non, non, bah non, le niveau est trop élevé là. Tu l'as pas, Kevin? Deux. Hein? Non, mais j'écoutais pas de quoi tu dis. Parce que j'ai de quoi tu dis? Hein? Écoutez pas de quoi tu dis? Hein? De quoi ça s'agit? C'est une ordonnance? Parce que j'ai dit que je faisais du riz au lait avec du sucre. Et Guillaume a dit, ah, tu fais du riz espagnol. Ah oui, au lait. Ah, espagnol. D'accord. Ouais, c'est moins grave qu'on peut le penser, Guillaume. Non, si on peut le penser, c'est que ça saigne pas trop. Non, il a fallu le recoudre. C'est ça. Tu l'as eu, mais tard, non, Kevin? Non, mais je l'ai compris dessus, c'est parce que je l'avais pas écouté la première fois. Bah, je l'ai dit qu'une fois, donc il y a un problème dans ce que tu viens de dire. 2000 balles, hein, la soupe à l'italienne. Hop. Et on est pas mal à 13 000 boules. Bon, je vais chercher du poivron. Et, mais qu'est-ce qu'ils foutent tous dans mon jardin là? Les gars, il y a une réunion et je suis pas au courant ou quoi? Quoi, t'as encore organisé une sextape comme t'es là? Bah, j'étais pas au courant. Bonjour. Oula, Nico, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Parce que lui aussi, je m'attends au pire. Ça se trouve, c'est à cause des CV sur King Mode. Hein. Il y a du monde qui s'est dit c'est peut-être plus intéressant là-bas. Parlez à Barbie. Bonjour. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Nico qui m'a envoyé un truc. Ah, quand j'ai vu ça, je me suis dit faut que je te l'envoie. Allez, je l'envoie à Kevin. Je vais aller acheter de quoi? Les semences. C'est où déjà? Guillaume, ça sert à rien de lui envoyer un truc sur Messenger, il dévoile quand même. Tu l'avais déjà vu celle-là. Bah si, Ludo, ne dis pas de bêtises, il suffit juste que je sois au courant. Ce Messenger-là, je l'ai pas sur mon téléphone. Matin, donc, Mais j'aime bien celle-là. Je sais pas pourquoi j'aime bien celle-là. Elle est triste hein, quand même. Mais j'aime bien. Ah oui, avec le WD-40. Mais il a suivi le schéma du dessus, et il voulait pas aller. Il voulait pas aller à droite, tu vois. J'ai dit que je voulais quoi? Poivron et tomate. Bah, un poivron, si tu veux, on a. On en a un? Non. Je peux te chercher, si tu veux. Non, Nico, putain. Oh putain, Nico. Pas ce torsi, Nico. Allez, on va m'envoyer Kevin. Et je vais envoyer un beau-père. Un beau-père aime bien ce genre de truc. Oh non. Elle était pas mal, elle est pas mal. Putain, je me fais chier à cliquer plusieurs fois, en fait tu restes appuyé et ça fonctionne tout seul. T'es prêt à recevoir la suivante, hein? Moi je vais pas en finir. Vous pourriez partager quand même, franchement. Surtout qu'on entend les dings là. Ah mais le problème c'est que quand je t'envoie un truc, tu les vois 15 jours après. Mais non, si tu me le dis, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait là, l'héros, quoi? Bon. Ben, on va repartir un petit peu. En plus, en faisant ça, tu fais des économies, parce que je consomme rien, je mange pas.
faut la comprendre, celle de la cabine. Ah, il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Il faut savoir qui est ce monsieur. Moi, Nico, depuis la dernière que tu m'as envoyé, là, avec je viens, j'ai rien d'autre. Hein. De quoi parle, depuis que? Tu m'as envoyé la dernière, là, que je viens, j'ai plus rien eu depuis. Hein. Non, mais ça, c'est l'âge, hein, Ludo. Hein. Quand tu viens, après, t'as du mal. Désolé, mais bon. C'est toi le plus vieux, hein. Je suis désolé. Mais... Oui, oui, je sais. Bah, ouais, j'ai le même âge que Bruno. Hein. Oui, mais il est non, pas vieux. Non, je suis un peu plus vieux. Parce que moi, j'aurais déjà 42 ici au mois de mai. Et lui aura seulement 42, je sais plus c'est quand. Non, non, j'ai ton logo, mais il n'y a rien, c'est blanc, Nico. Ah bah oui, c'est normal. Non, je fais ça. Bon. Plutôt, dis... Bah oui, non, mais c'est un peu... Ça vient, forcément. Oh. Comment tu reconnais qu'une blonde s'est servie d'un ordinateur. Voilà, là, tu l'as fait. Franchement. Oh non. La calotte de ses morts n'est pas tout, il coule mon copain. Ah, ça me... Faut que je l'envoie à Kevin. La calotte de ses morts, mon copain. Et le texte est dedans, la paix prod. Je l'envoie à Kevin. Oh non. Ah, c'est moche. Mais toi, t'es encore dans mon jardin, j'ai dormi une semaine et t'es encore à l'auto. Y'a que ça à faire, quoi. Ah ouais, carrément, Tony. C'est bien trouvé, c'est bien Tony. Cherche du boulot. Pas mauvais. Bon, bah écoute, il a rien pour moi. Ok, merci. Allez, bisous. Ciao. Sans déconner, il se fout de moi lui. Pas des bisous à la chatte. Arrache tes poils. Bon. Il est bon, il est assez sucré, mais il est trop chaud. Ah là là là. J'ai un train à conduire, les gars. Ouais, en même temps. Putain, et ils vont être prêts à récolter quand les champs, qu'on fasse autre chose. J'ai envie de récolter les pois pour voir un peu ce que ça donne là-dedans, mais on va pas y arriver, je crois. Pas mal, Kevin. Non, là. C'est dur. Est-ce que c'est des blagues qui se parlent ou pas, parce que... Non, pas trop en fait, c'est plus visuel. C'est ça. Non, mais c'est pas comme ce matin, tu vois, ils faisaient des blagues sur Jeanne d'Arc et tout ça à la radio. Non, ça marche pas là. Non. Enfin, ça devait être très visuel à l'époque, hein, mais. Aujourd'hui, tu peux. Il a plus qu'à crier Jeanne. Ah, tu peux direct t'engager pour récolter et vendre, t'es pas obligé de te servir de ta batteuse. Ah, mais en même temps, s'ils récoltent comme ils ont labouré la dernière fois, laisse tomber. Je veux même pas deux, moi. Après, t'as c'est pas prêt pour la récolte, regarde là. C'est ouf ça quand même. Donc, je vais reculer la batteuse. Parce que si les ouvriers sont aussi cons que dans Farming. Wow, c'est bon à récolter ou pas ça? Ah bah prêt pour la récolte 1. Ah ouais, mais c'est lequel? Ah bah c'est celui-là. Alors bouge pas. Ici. Cliquez pour embaucher un nourrier. Commander une pulvérisation aérienne. Ah ouais. Récolter et vendre.
Voilà. On va faire ça. On va aller dans la serre. Tu m'étonnes que ça va vite en faisant ça. C'est des Belges, les ouvriers. Ah. Si seulement. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix de la nationalité. C'est pas des Belges, que c'est des Belges, ils plantent des frites. Ludo Messenger, il en a marre, il veut plus envoyer les images. C'est fun lag en plus. Ça tombe dans le vide. Non, moi je vous dis bonne soirée les gars. Yes, bonne soirée. Salut Nico. Salut. Oh, bah, sympa Nico. Merci, tu vois, je... Bon, après j'y allais aussi, ça décolle dans un quart d'heure. Ah, j'ai les yeux fatigués par un truc de fou. T'as tes yeux un petit film de pauvre ça. C'est ça, ouais. À la demain les gars. Ouais, c'est ouais. Ah mais du coup bon voilà, il est en train de récolter. Je sais pas par où il a commencé, mais bah par là. Attends, déjà il doit aller beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas la même barre de coupe. Hein. Un petit creux. Ah, bah, je vais manger un petit quelque chose alors si j'ai un petit creux. Je voulais voir s'il s'arrêtait quand j'étais devant. Bon bah du coup je vais aller à la cuisine pendant qu'il fait la moisson. Ça, on peut en faire 45. Je pense que je suis limité à cause du nombre d'œufs que j'ai dans mon panier. Je crois que c'est ça parce qu'il me reste des poivrons et des tomates. Donc en fait, c'est les œufs qui manquent maintenant. Merde, j'ai ressemé des poivrons et des tomates. Tu me diras, je m'en fous, je vais faire de la soupe et puis c'est tout. Je vais faire les concentrés. Je vais faire tout ça. Ah, je vais aller regarder mes pommes aussi, parce qu'à mon avis, des pommes qui sont revenues. J'ai accès au verger ici ou pas? Non, il n'y a pas le verger ici, tiens. Dommage. Voilà, par contre, là, il y a du niveau, là. Là, il y a du stock. Mais ils sont tous encore à côté de chez moi, c'est dingue, ça. Ils se sont dit merde, le mec il dort une semaine, il fait son truc dans sa ferme, il redort une semaine, il refait son truc dans sa ferme, il redort une semaine, on le voit plus, on va aller chez lui. Alors, on va faire un petit peu de commerce. Vendre les poivrons, on va les vendre. Les tomates, on va les vendre. C'est pas possible, les assiettes, il y en avait 400 tout à l'heure. À 30 euros, ça fait jamais 150 000 euros. Tiens, non. Par contre, t'as bien gagné. Hein?
T'as bien gagné. Mais non, mais tout à l'heure, Farmer qui disait qu'il avait vendu 400 assiettes, 400 plats préparés et qu'il a eu 150 000. Pas possible. C'est 27 euros le plat, enfin, même si j'arrondis à 30, ça fait jamais ça. 400 x 30, ça fait 12 000, ça fait pas 120 000. Non, mais, je suis débile ou je sais pas compter. Il a peut-être mis à zéro en trop. Bah non, parce qu'il dit qu'il a acheté les serres. Ouais, les gars, moi je vous laisse aussi. Ouais, quand ça tu roule. Veux, bien. Salut, Kevin. Dommage, je suis dans le coin. Ouais, bonne soirée. Salut. Salut, Kevin. Salut, Kevin. C'est chiant, c'est qu'on on voit pas bien. Ah, voilà. Je vais me promener à côté de l'autre. Eh, la batteuse, il s'en sort pas mal hein, par rapport à l'autre. Ah, merci François. Ah, ouais, attends, Eh, lui, il va pas faire de perte. Hein. J'espère que je le paye pas à l'heure, hein, mais. Non, c'est au forfait, hein, parce que là, franchement, il croise le mec. Hein. T'as vu ça, Ludo, tu regardes, non? Non, non, je regarde pas, non. T'as le mec, il prend même pas un quart de sa barre de coupe, quoi. Limite, il en prend plus dans les virages que dans les lignes droites, mais. Bon, on va attendre que ça soit fini. Oh, tu me diras, je peux l'aider, je suis con. Ben voilà. Faire ça, on va gagner du temps. Sauf si ça le perturbe parce qu'il va plus avoir la même. Il va plus savoir où il en est, le bordel. Ça se trouve, à moi, ça va dans le vide. Ah ouais, ça se trouve, ça va le faire bugger, l'ouvrier. Ah oui. Ah je le sens arriver toi. Ouais, possible. Ah, il a pas capté que j'étais passé en fait. C'est exactement ça. Il fauche dans le vide du coup parce que je suis passé. Bon bah j'arrête alors ouais. Ça sert à rien, je gagne. Je vais pas gagner du temps. Je gagne pas de temps non. Il va repasser après toi et dans le vide donc. J'ai mis 400 kg de poids dans le machin. Je sais pas si je peux vendre ma machine du coup, parce que j'en ai pas besoin si c'est ça. Je vais essayer d'aller au. Je sais pas si faut aller au Concess pour vendre sa machine ou. Comment on fait? Je sais pas, j'ai jamais vendu le matériel. Moi non plus. Peut-être comme ça, non? Je sais pas. Merde, attends. Parce que du coup j'ai. J'ai remonté dans le chat sans faire exprès. Écoute, pendant qu'il fait la moisson, lui, je vais aller faire ça. Je vais aller voir vite fait. Oui. Oui, meilleur. T'as goûté ? Il faut aller au Concess pour vendre, ouais. Absolument, François. Tu veux goûter, tu veux ? Il est meilleur ici. Matériaux concessionnaires. Il y en a un autre concessionnaire. Et c'est tout. Il y en a un là aussi. Oui, il est plus près celui qui est là. Ouais, il faut que je traverse le. Ok. Faut pas que j'oublie d'aller vendre la deuxième barre de coupe avant de vendre la machine. On a un peu l'air con, sinon.
En fait, faut se faire chier à rien là-dedans. Tu payes tes ouvriers à tout faire et puis c'est tout. On va aller faire ça. Parce que du coup, j'ai besoin d'un tracteur et puis une remorque et encore. Et 22h déjà, c'est pas assez vide, je trouve, aujourd'hui. Mais non, mon bah, si, je viens de le dire. Il y a encore des baraques à rénover ici, mais on n'a pas la. J'ai pas vu la mission. Après, si c'est pour la vendre une misère, vaut mieux que je la laisse dans un coin de la map. Comme ça, je peux me TP dans la machine. au lieu de courir partout habillé. Oh, un petit tracteur tondeuse. Trop bien. Il y a un endroit pour vendre ou comment ça marche? Qu'on vend. Non, on vend là où on achète. Ah, vendre la barre de coupe. Entrée. 1250 balles. Ah ouais, quand même. Ah ouais. T'as vieille truc là. Que la barre de coupe. Hein. Attention, pas la machine. Bah ouais. Ah ouais, quand même. Attends, je vais chercher l'autre à ce tarif là. T'as la batteuse sans la barre de coupe, elle ressemble à rien quoi. Le convoyeur il est sur la barre de coupe en fait, il est pas sur la batteuse. Je vais chercher l'autre. Je vais aller vendre un vieux tracteur aussi. Ah, il a fini de moissonner l'autre. 23 000 balles sur le compte. On était à 6 000 quand on a commencé. Et encore, j'ai acheté du stock en. J'ai acheté 1 000 balles de plantation. Mais vraiment, c'est pas dommage. Toi, tu fais des tomates, tu devrais savoir faire tes plantes de tomates toi-même. C'est ça. Là, moi, j'étais en acheter 2-3 pieds un peu spécifiques là et. Les gens, bon, c'est des gens que je connais bien, hein, chez qui je les ai achetés là. Ils disent bah t'en prends, tu prends que ça cette année. Bah, je dis bah ouais j'en ai. Ils me disent ah bon? Bah oui. J'ai fait des tomates l'année dernière, j'ai fait des pieds cette année. Enfin c'est mon père qui les a fait parce que j'ai pas eu le temps, mais on les garde quand on les consomme quoi. Bah c'est ça. Les graines de tomates tu les mets sur un essuie-tout. Oh, je sais pas atteler la barre de coupe moi. Oh, je vais descendre de la batteuse, je vais remonter dessus. Ah. C'est la meilleure. Je ne sais pas atteler la.
La barre de coupe. Merde, c'est con ça. Peut-être en redémarrant. Je verrai peut-être peut-être un bug, puis quand je vais redémarrer le jeu, ça marchera. Tu l'as gagné au moins. De quoi? J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. J'ai gagné quoi, François? Impeccable, ça c'est fait. Alors déjà, je vais faire une petite save. Voilà. Est-ce que ça va pas sauvegarder depuis tout à l'heure? Faire une mission pour la. Ah bah oui, si, je l'ai. Bah, c'est la même mission pour tout. Si, elle est à moi la barre de coupe parce que elle est ici. Non, elle est à moi. Non, c'est juste que je sais pas. Non, je pense que c'est un bug, c'est tout. C'est parce que j'ai vendu l'autre sans. Pour voir. Hop. On va aller ramasser les œufs, tout ça. Ouais, c'est vrai que j'avais acheté des pigeons, je sais toujours pas à quoi ils servent. Enfin, toujours à rien, tu me diras. Ils me bouffent pas non plus là. Non, j'ai pas de coque, pourquoi? Non, je crois pas. Ils font des petits abrènes. Je sais pas s'ils se reproduisent. Ah ouais? Mais tu vois, j'aurais pas cru. Il me semblait qu'au départ j'en avais mis et puis que ça m'avait rien fait. Justement. Il y a un truc qui me chagrine là. Il n'y a plus de mission ici. Maintenant, j'en étais Joseph et tout ça, mais. Pas des œufs chez eux. Des œufs chez eux. Ah oui. Chez eux. Moi je sais pas, je vais l'acheter un coq et puis c'est tout. Non, je pense qu'il y a un petit bug. Donc voilà. Alors est-ce que par contre par contre, comme je viens de lancer la récolte de l'autre côté, j'ai peut-être. C'était quoi ça déjà? Chasse aux champignons. Ah oui, mais attends, faut que j'aille aller faire un tour à la chasse aux champignons, je sais plus ce que c'est. Ouais, j'ai dit que je voulais regarder la serre vite fait.
Je vais mettre des ruches, tiens. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça va faire. Ça va certainement faire du miel. Avec un peu de chance. Je sais pas ce qu'ils font, tous arrêter au milieu de la route, là. Où la chasse? Ah bah non, la chasse aux champignons, c'est où? Ah, mais c'est ça, la chasse aux champignons, c'est là où il y a tous les gogoles. J'ai trouvé trois champignons sur le lieu de la chasse aux champignons. Ah, il y a 4 jours avant l'événement. Ah oui, d'accord. Oui, donc ils sont juste en avance en fait, quoi. Du coup, je sais plus ce que je suis en train de faire. On me perturbe avec les champignons. Par contre, je vais aller voir. Parce que du coup, si l'autre il est en train de moissonner le blé, il doit faire de la paille. Donc, je peux peut-être aller presser des ballots direct. Puis aller les vendre. Placer des trucs j'avais pas vu, mais je peux placer des trucs dans le poulailler là ou je sais pas où. Ici c'est pour placer quoi? Des ruches? Je ne t'entends plus, Guillaume. Tu m'entends pas? Pourtant mon micro il fonctionne. Guillaume, tu m'entends? Oui. Oui. Allô? Tu m'entends? Ah ouais, ça y est, maintenant oui, t'as eu l'entend. T'avais coupé le son ou quoi? Ben non, je l'ai pas, c'est mon casque encore une fois. Ah, parce que moi, sur le stream, moi j'avais du son, donc c'est pour ça que je vois mon micro bouger sur le stream. Ouais, non. C'est encore une fois mon casque. Je voulais prendre quoi? Un tracteur pour aller presser, mais... Je vais vendre la paille aussi, parce que les vaches, elles sont au taquet en nourriture, je crois, là. Donc 46%. Ouais, donc je peux peut-être en remettre un peu aux vaches. Voilà. Cipolla a des taches. C'est parce que c'est une vache. Merde, j'ai roulé sur mes fleurs. C'est con ça. C'est en haut obligatoirement, je crois, non? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, François m'entendait, donc c'est bon.
Si on va dans la continuité des blagues de Kevin, on pourrait dire il fait l'homme. On veut dire il fait le man. Non. Voilà, donc là j'ai 80% de paille pour mes bêtes, c'est bon. Je vais aller presser. Hop. Ah mais c'est vrai que je peux pas passer là, il y a la tonalie. Citron. Citron quoi? Je sais pas pourquoi tu dis citron, François, j'ai pas suivi là. Tu l'as Ludo toi non? Parce que. Non, j'ai pas. Moi non. Pas fait attention. J'ai raté un train, je crois. Pressé, ah ouais. Citron pressé, d'accord. Ok, je l'ai, c'est bon. Ok, c'est nul. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que c'est pareil. Je sais pas si j'ai un gros décalage entre le live et ce que et moi en fait. Mais genre, quand c'est Ludo, il y a 5 secondes, quand c'est Bruno, il y a 12 minutes. Donc là, je sais pas. Ce qui fait que parfois, quand je lis ce que t'écris, c'est pas forcément au moment où je viens de le dire. Donc, c'est. Voilà, mais c'est nul. C'est pas la blague du siècle, hein. On va pas mentir. Hein. Mais c'est le genre de truc qu'on fait nous aussi. Donc on prend. Hein, Ludo? C'est ça. Pour l'instant, François, il s'entraîne à être bon sur farming pour venir jouer avec moi. Ouais, il veut jouer avec ma farming. Ah, je vais peut-être arrêter parce que j'ai pas vu le dernier ballot descendre. Je sais pas où il est parti. Bali. On va aller vendre ça. Il est à Bali, ouais, ça doit être ça. Dès que Clotilde a fini sa récolte, j'arrête. Ça vaut rien la paille? Ah bah écoute, j'aurais 18 fois rien sur mon plateau ou un truc comme ça. Tu sais, Kevin il voit rien non plus, puis on le garde. Hein, t'sais. Ouais, il est plus là, c'est pas drôle.
Salut Unitaï, merci pour ton follow, bienvenue avec nous. Ah, dis donc. Il est où mon plateau à paille? Bah, j'aurais bien envie de te répondre, mais... Bah attends, mais il y a eu un truc de ouf, là. Il s'est passé quoi? Mon plateau, il... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attends Ludo, parce que je roule, donc j'ai le tracteur, la presse, le plateau à paille derrière, je sais pas, je me suis retrouvé avec le tracteur dételé au milieu de la route, la presse 4 mètres derrière, et le plateau à paille, il était ailleurs. J'ai pas compris. Salut, je viens de découvrir... Il y a l'hébergement de Bruno. Ah, cool. Bah écoute, merci pour ton follow. Comme quoi, Bruno a bien fait de faire ses tests tout à l'heure, parce qu'il voyait pas la rediffusion sur sa chaîne. C'est un peu pour ça qu'on a notre chaîne avec... Enfin, qu'on a. Parce que finalement, Kevin, il en fait jamais. On devait se rendre... On devait faire ça de temps en temps, et puis... Eh, 530€ les ballots quand même, petit François, tu dis rien, mais bon, si 530 balles c'est rien, bah donne-moi 3 fois rien, pour aujourd'hui ça suffira. Je pense que depuis qu'il a sa chaîne Twitch, Kevin, il a fait un live. Je ne sais pas. Il en a fait moins que toi dans une journée. Oh, moi en ce moment, je ne sais plus trop de live. Faire des lives, il faut bien faire des lives, voilà. Quand on n'a plus envie, il faut arrêter un peu. T'as raison. Ça marche, je t'envoie mon rib en MP François. Pas de soucis. Bah quoique non, je préfère du cash en fait. Non, des ribs, c'est bon barbecue. Ah ouais. Non, c'est pas faire des ribs de poulet, non? Bon. Non? Ah bon. Bon, il a fini avec ma batteuse là-bas, lui. Bon, on dirait. Bon, bah, impeccable. Putain, on aura fait du turf aujourd'hui. En dormant plus que d'habitude, on a fait plus de travail. C'est incroyable, quand même. C'est beau, la vie, quand même. C'est beau. Bon, je vais regarder le tracteur à l'endroit où il est censé continuer à travailler après. Ce qui me permettra de pas avoir à chercher sans 7 ans où on en est la prochaine fois. Tac. Et on descend. Et avec un peu de chance, ça m'a débugué la batteuse. Toujours pas. Bon, bah voilà. C'est toujours bugué. Bah, résultat des courses. On a fait presque 20 000 balles aujourd'hui. On a fait presque 20 000 balles. Moi, je dis que on a bien bossé. On a bien bossé. Un peu comme le boss Notre-Dame, quoi. Comme? Comme le boss Notre-Dame. Comme quoi? Le boss Notre-Dame. Ah ouais, on a bien bossé, ah ouais. Le boss Notre-Dame. Bravo. Bah oui, c'est logique. Hein, bravo, Ludo. Bah, pour. Aïe. Comme dirait Kevin, le public est dur aujourd'hui. Ouais, bah non, mais j'entendais pas très bien déjà. Alors. Parce que.
Tu es en train de manger tes moustaches en même temps que tu parles. Bah non. Ouais. Ouais, bon. Bon, bah écoute, ça fait du bien de rejouer un petit peu. Parce que je crois qu'à part une situation de farming avec toi, ça fait 2 semaines que j'avais pas joué. Ouais, c'est ça d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, bravo Ludo, comme disait un. C'est une pub ça, non? Ah non, c'était bravo le veau, non? J'aime le veau, j'aime le veau. Bonne nuit François. Merci. Bonne nuit, François. T'as vu, François, il sait que je reviens pas avant la fin de la semaine, il met bonne nuit au pluriel. Et ouais, donc. Non, mais cool, merci. À tous ceux qui sont passés, et puis. La semaine prochaine sur Farmer Dynasty. Allez, ciao ciao. Salut tout le monde.